Eh bien bonjour à tous, c'est The Pharma. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 33 de notre carrière suivie sur la Belgique profonde. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Bah on va tout simplement partir faire du tournesol, pardon. Donc hop, on va amener la petite, enfin le tracteur et la benne, parce que pas juste la benne ou pas juste le tracteur, parce que ça va pas être facile ou utile. Enfin bref, c'était la blague de merde, mais il fallait que je la fasse. Enfin bref, du coup, aujourd'hui, petite récolte de tournesol, voilà, pourquoi? Bah pour changer. Voilà, donc pour changer, et puis on va juste allumer les gyrophares, ça se met en vue intérieure, histoire de voir où on roule. Alors vu que la belle direction assistée, hop, les voilà. Nickel, ça passe chrome, nickel chrome, on va dire, enfin ça se dit pas, mais c'est pas grave. Les petits clignotants à gauche. Enfin bref, du coup j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui, épisode 33, faut savoir que c'est la troisième fois que je tourne la vidéo, c'est un truc de ouf. Enfin bref, alors du coup, ouais, on va se garer ici, tranquillou. Voilà. Et on va éteindre les gyrophares. Puis on va faire ça. On va descendre. Techniquement, c'est bon. Oh, putain, justement, je les ai allumés, je suis un imbécile. Hop, là, techniquement, c'est bon. Nickel. Du coup, aujourd'hui, épisode 33, c'est la troisième fois que je la tourne. La première fois, bah, j'avais pas activé le micro, comme je l'avais dit dans la vidéo d'hier. C'est-à-dire dans la vidéo de CS2. Parce que du coup cette vidéo là elle est censée sortir lundi. Hop, elle est censée sortir lundi. Vas-y, active moi tout ça. Et on est parti, on y go. Du coup, comme dit dans l'épisode dans la vidéo de TS2, dans l'épisode de... Ouais, je sais pas trop si on peut appeler un épisode, mais dans le deuxième épisode des vidéos détente sur le TS2, et bah j'avais oublié d'activer mon micro. Je peux te dire que j'étais ultra content, enfin bref, vous voyez le délire. Et puis du coup, bon bah, j'avais l'air con, hein, très clairement, j'avais très clairement juste l'air con, on va pas se le cacher. Et du coup, bon bah, hier soir, j'ai essayé de retourner la vidéo, parce que là, du coup, on est dimanche soir, ouais, il est 18h pile, et la vidéo, elle doit sortir à... Enfin, demain, du coup, pour vous, parce que du coup, on est dimanche soir, le jour d'avant, mais c'est vu que j'étais occupé toute la journée, du coup, j'ai pas pu tourner. Et vu que bon ouais, il faut quand même que je fasse une vidéo pour demain, j'en avais pas en stock parce que justement bah, la vidéo elle avait planté, j'avais pas filmé et j'avais pas allumé mon micro. Et samedi soir j'ai essayé de tourner la vidéo, mais en fait la vidéo en fait il y avait des énormes coups de lag quand je tournais ou quoi que ce soit. Et je crois que c'était aussi lié à la chaleur, hein, très clairement, parce que bon quand il faisait genre le jour il faisait 35 degrés. Pour vous dire, dans ma chambre, même avec le ventilo allumé, il faisait ultra chaud, j'en pouvais plus, j'étais en train de transpirer de partout, je sais c'est dégueulasse, mais c'est vrai. Et bah quand tu sortais et que dehors il faisait encore plus chaud, tu disais ah oui d'accord là il y a un problème, et par contre tu seras encore plus intelligent et sympa de prendre toute la largeur de la barre de coupe, merci bien. Et du coup ouais, c'était j'imaginais en partie lié à la chaleur, que du coup bah mon PC il avait un peu de mal, on va pas se le cacher, il avait un petit peu de mal. Et puis je sens que ça fait 2-3 jours que je l'avais pas éteint. Ce matin, je l'ai essayé éteint presque toute la matinée parce que j'avais autre chose à faire. Et cet après-midi, bah, je pouvais pas tourner tout simplement. Donc bon, bah, j'ai pas tourné. Et puis du coup, bah, je tourne maintenant. Enfin bref, ça c'était le petit moment vie personnelle. Donc tout le monde s'en bat les couilles. Voilà, c'est bon, c'est ça l'a pris. Enfin bref, du coup, cette vidéo-là, je l'attends à la dernière seconde. C'est génial. Mais cette fois-ci, je vais me souvenir de quoi je voulais parler parce que dans les deux dernières... Enfin, dans les deux dernières vidéos, je peux pas trop dire ça comme ça, mais dans les deux dernières... Ouais, deux fois où j'ai voulu tourner cette vidéo là, bah il y a une fois j'en ai parlé mais vu que le microphone il marchait pas, enfin bref, ouais, le délire. Et l'autre fois je ne savais plus de quoi parler, enfin de quoi je voulais parler. Je ne savais plus de quoi je voulais parler, bah comme d'habitude j'ai envie de vous dire, ah, retour des fameux coups de live. Ok, pourquoi j'arrive plus à utiliser mon volant ni rien. Ah, bah écoutez, on va essayer de clavier. Hein. Ça c'est bizarre quand même, hein. C'est étrange. Ah bref, du coup oui, je voulais, putain, qu'est-ce que je voulais dire devant. Ah oui, du coup, dans les deux dernières vidéos, bah, je voulais m'en servir, mais ça fonctionnait pas, donc j'étais ultra content, on va pas se le cacher, hein. Enfin, je voulais en parler, mais il y a une fois, je me souvenais plus, et puis l'autre fois, bon, bah, vous voyez le délire. Et par contre, là, je comprends pas pourquoi mon volant a décidé de ne plus fonctionner. Allô, Michel. Ça, c'est bizarre, parce que généralement, mon volant, il arrête de fonctionner que quand je suis en vidéo. Si je suis pas en vidéo, bah, il fonctionne nickel chrome, il n'y a pas de souci. Une fois que je suis en vidéo, bah il me dit fuck en fait. Hein. Et, attendez, vous savez quoi, je vais faire une petite coupure et puis on verra bien si bon bah ça va changer quelque chose. Bon, du coup, là, ça a décidé de refonctionner, sinon tant pis, bon bah je vais continuer au clavier à la souris, hein, c'est comme ça. Par contre, je comprends pas vraiment si vous avez la solution, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, moi je comprends pas pourquoi ça me fait ça.
Mon PC, c'est pas parce qu'il fait chaud. Bon, oui, il fait chaud, c'est clair, mais ça m'étonnerait que ce soit que ça en fait. Hein. Ça m'étonnerait très clairement. Enfin, bref, faut que je regarde. Donc, si vous avez la solution, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce serait super sympa de votre part, pardon. Enfin bref, du coup, je voulais vous parler, c'était tout simplement du DLC Class qui va arriver. Voilà, c'est du DLC Class et de l'espèce de manette, là je pense que ça s'appelle le C-Motion, si, de mémoire, hein, de mémoire, je vais pas vérifier juste avant la vidéo. De mémoire, ça s'appelle comme ça. Appelé. Et truc à la con également, avec le volant, maintenant que j'y pense. Ce bug ça me le fait que sur farming, sinon sur aucun autre jeu ça me le fait. ETS2 ça fonctionne nickel, bon il y a le bug qu'il y a vu dans la vidéo hier. Il y a un autre jeu auquel je joue pas mal en ce moment, c'est Dirt Rally 2 d'ailleurs. Si vous voulez des vidéos dessus n'hésitez pas à me le dire, enfin dans tous les cas je vais en faire d'ici pas longtemps. Voilà, peut-être demain, après demain, enfin bref vous verrez bien. Mais c'est juste sur farming que mon volant il déconne un peu, je sais pas pourquoi, bref. Mais il n'y a plus d'endroit chez les poules, c'est faux, il n'y a rien chez les poules. Je vais vous montrer après, mais il n'y a rien chez les poules et il me dit qu'il n'y a plus de place. Bon, alors là, par contre, j'ai mon demi-tour, je sais pas comment je te l'ai négocié, mais je te l'ai négocié en tout cas. Après, on va mettre le régulateur de vitesse. Et du coup, je voulais vous parler de ce fameux DLC Class qui apparemment va sortir sur Farming et du jeu C-Motion qu'ils ont apparemment utilisé sur Farming. Je vais commencer par le C-Motion, voilà, donc j'ai pas du tout préparé la vidéo, je savais juste que j'avais envie de parler de ça. Et pour ceux qui n'aiment pas quand je ne prépare pas mes vidéos, pardon, bah tant pis, écoutez. Parce que je n'aime pas préparer mes vidéos parce que je trouve qu'après ça ne fait pas naturel du tout. Hein, très clairement, je trouve que ça fait pas naturel. Après, il y en a qui vont dire, ouais, c'est une excuse parce qu'il a pas envie de préparer, il a la flemme, gnagnagnagnagna. Non, c'est pas du tout pour ça que je le fais à la base. Enfin, que j'ai pas envie de le faire. Appelez, vas-y, roule. C'est pas du tout pour ça à la base. C'est vraiment que je trouve que ça fait pas naturel, hein, c'est juste pour ça. Enfin bref, du coup... Qu'est-ce que je pense du C-Motion là de sur farming? Alors pour moi c'est très clairement du bullshit. Hein. Alors ça c'est du bullshit total. C'est peut-être pour en mettre en avant le fait qu'il va y avoir qu'il va potentiellement y avoir un DLC farming, enfin classe sur farming. Ça ok, tu vois ça je veux bien y croire, mais le C-Motion non, pour moi c'est du gros bullshit et j'ai un argument qui va tout détrôner. C'est tout simplement quand on regarde le moment où il l'utilise et que tu vois farming sur l'écran, tu vois que c'est une vidéo. Tu vois que c'est une vidéo et qu'il appuie sur les boutons pile au même moment, tu vois. Genre c'est un enregistrement, tu vois ce que je veux dire. Vas-y, avance. Tu vois très clairement que c'est un enregistrement et puis que bah c'est dégueulasse quoi. Genre ils te font croire un truc alors que c'est pas vrai. Et comment tu vois que c'est une vidéo? Bah tout simplement tu regardes dans la barre des outils ou je sais pas comment ça s'appelle, en bas de l'écran, tu vois qu'il y a le petit logo de vidéo. Et que c'est sélectionné, tu vois, qui sont dessus. Et je trouve ça dégueulasse. Donc ça veut dire que d'un côté ou d'un autre, ils veulent mettre en avant un truc qui va peut-être arriver. Donc ils veulent faire croire aux gens qu'il va se passer qu'il va y avoir un truc de ouf. Alors qu'au final, pas du tout. Ils font juste croire aux gens des trucs qui sont totalement faux. Et je trouve ça dégueulasse. Enfin bref. Après, ça se trouve, c'est juste une manière pour mettre en avant le DLC Class qui va peut-être sortir sur FL19. Et je tiens à dire que je préfère dire. Peut-être, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vu la vidéo en allemand, genre où ils font n'importe quoi, enfin, quand je dis n'importe quoi, c'est genre, c'est ultra mal joué, je trouve, enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai regardé aucune vidéo, et je jure, j'ai regardé aucune vidéo sur, d'un autre youtubeur, en fait, hein, très clairement, un youtubeur francophone, anglophone, peu importe, oui, peu importe, mais j'ai regardé d'aucun autre youtubeur, j'ai juste bien regardé ce qu'il voulait dire. Et DLC Class, franchement, je sais pas. Je sais pas, je préfère faire attention à ce que je dis. J'ai pas envie de dire, ouais, va y avoir un DLC Class, et puis qu'après on va me dire, ouais, t'as un menteur, etc. J'ai pas envie de dire ça, je dis qu'il va potentiellement y en avoir un. Même ça, ce n'est pas sûr. Parce que tout simplement, si tu regardes déjà au niveau du gameplay, tu vois des gyrophares. Waouh, tu vois des gyrophares d'un tracteur, mais à quel moment ça veut dire que c'est classe? Ça peut être n'importe quel autre tracteur, oui, bon, ça ressemble un peu. Alors quand tu regardes la gueule des gyrophares, l'emplacement des gyrophares, etc., tu te dis oui ça ressemble à un classe, mais c'est tout quoi. À aucun moment ils disent que c'est, enfin ou du moins ils montrent que c'est vraiment un classe, tu vois. Donc et en plus de ça, je tiens à le préciser, je le répète, avant de passer à ce que vous voulez dire après, le C-Motion, quand ils ont montré que le C-Motion soi-disant il fonctionnait, etc., et qu'au final tu peux très facilement prouver que c'est faux, que c'était juste une vidéo. Et déjà ça te donne pas trop envie de les croire pour d'autres trucs en fait. Et puis on va voir l'abuse.
ça te donne pas trop envie de croire les autres trucs qu'ils annoncent, tu vois, genre un DLC classe, etc. Et un autre argument pour dire pourquoi il n'y aurait peut-être, pourquoi il y aurait plus de chances qu'il n'y ait pas de DLC classe sur farming que bah, qu'il y en ait en fait, hein, très clairement. Et bah c'est tout simplement que Class travaille déjà chez un énorme concurrent de chez Farming, hein, de Farming, c'est-à-dire chez Cattle and Crops. Voilà, c'est là qu'il faut. Je travaille déjà chez Cattle and Crops et je trouvais ça dégueulasse qu'ils travaillent chez deux marques opposantes en quelque sorte, tu vois, chez deux concurrents en même temps. Je trouverais ça dégueulasse de leur part parce que Cattle and Crops, bah, la marque Class y est de base. Sur Farming, non. Et si ce serait un DLC, ça veut dire qu'ils auraient accepté de collaborer avec Farming après avoir accepté de collaborer avec Cattle and Crops, très clairement. Et je trouverais ça dégueulasse de leur part. Bon, après, s'ils font ça juste pour avoir du bénéfice, bon. Tu vois, genre en mode, ouais, ils voient que Cattle and Crops, bon, il est long à sortir, etc. Et qu'ils font pas forcément beaucoup d'argent alors que Farming. Ça fonctionne très bien, etc. Enfin bref, vous voyez le délire, et que du coup ils peuvent se faire un peu plus de pognon. Bon, je trouve ça dégueulasse de leur part, mais s'ils veulent le faire, ils le font. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bon bah, moi j'ai du mal à y croire parce qu'ils ont déjà, enfin ils sont déjà chez un concurrent de Farming, un énorme concurrent, je dirais même le principal concurrent. Le seul problème, c'est que bon, ils ont pas forcément tout ce qu'il faut pour se développer, mais ils se développent, hein, et c'est un très bon jeu. Cattle and Crops, vous me comprenez pas mal. Mais ils ont pas encore. C'est pas encore assez poussé pour pouvoir dire que c'est vraiment un jeu fini et bien. Enfin, pas bien, mais genre fini et vraiment genre prêt à la vente, j'ai envie de te dire. Le jeu il est pas encore fini en quelque sorte. Je trouve ça dommage, mais. Parce que vraiment, Cattle and Crops, ça annonce du lourd. Bon, après, tu m'étonnes, Cattle and Crops, tu mets un gosse de 8-9 ans devant Cattle and Crops, le pauvre il comprend rien, mais par contre, tu mets un gosse devant Farming, il va avoir beaucoup plus de facilité à comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire, tu vois, il va avoir plus de facilité à jouer à Farming qu'à Cattle and Crops, parce que Cattle and Crops c'est beaucoup plus développé, c'est beaucoup plus poussé, je trouve ça beaucoup plus réaliste, en plus graphiquement ça change. Certes c'est un peu plus sombre qu'à Farming c'est plus beau, c'est plus lumineux, etc. Mais c'est beau aussi, tu vois, genre. C'est pas parce que c'est différent que c'est pas beau. Donc voilà, donc moi le DLC classe, alors le C-Motion, on va commencer par le C-Motion pour la conclusion. Le C-Motion, je n'y crois pas du tout, hein. C'est, pour moi c'est du gros fake sa mère, c'est du bullshit. Le DLC classe, je suis pas sûr, très clairement je ne suis pas sûr du tout, hein, parce que tout le monde peut mettre un tracteur devant un semoir à maïs Amazon et faire genre que c'est un classe, tout le monde peut le faire, très clairement tout le monde peut le faire, et du coup j'ai du mal à y croire. On verra bien avec le temps. S'il y a vraiment un DLC Class qui sort, bon bah là, je l'achète direct. S'il y a le C-Motion, je ne l'achète pas parce que bon, oui j'adore Class, c'est ma marque préférée, etc. Mais je ne l'achèterai pas parce que bon, déjà faut rentabiliser le volant, hein, il m'a coûté un bras. Sachant que ça fait quand même presque un an que j'en parle du volant. Enfin j'en parle, j'ai cette idée dans la tête, mais je me dis attends. T'as le bac en fin d'année, vaut mieux éviter. Tu vois ce que je veux dire? Vaut mieux que tu bosses maintenant et une fois que t'as passé ton bac. Même si tu l'as pas, tu l'achètes comme ça, tu peux geeker comme un malade pendant les vacances, s'il te plaît. Tu peux l'utiliser pendant toutes les vacances, tu vas être tranquille. Enfin bref, tu vas le délire. Et du coup, s'il y a le C-Motion qui sort, ce qui m'étonnerait, bon, peut-être qu'il sortira d'ici 3-4 ans, voire plus. Mais ça m'étonnerait parce que, en plus de ça, pour qu'il sorte et qu'il fonctionne sur Farming Simulator, alors que bah, Class n'est même pas en collaboration avec Farming, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, genre, Class n'est pas directement dans le jeu, tu vois, à la rigueur, un truc John Deere, tu vois ça, à la rigueur, j'ai bien envie d'y croire, même si John Deere, bon, je sais pas comment ça fonctionne à l'intérieur, mais j'imagine qu'il n'y a pas un truc, enfin, il doit y avoir un équivalent, mais genre avec des espèces de manettes, tu vois, par rapport au C-Motion. Attends, essaye de faire ça bien, s'il te plaît, quand même. On est là pour se détendre, mais faut quand même bien travailler, hein. Faut quand même bien faire le boulot, hein. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais je le fais. Enfin bref. Tu vois, du coup, ça m'étonnerait vraiment que ce soit classe. Ou à la rigueur, un truc genre Fendt, tu vois, genre avec la boîte de vitesse ou des trucs comme ça. Tu vois ça à la rigueur, mais un truc de chez classe, non. Bon, peut-être d'ici 4 ans, 5 ans, peut-être d'ici 10 ans, peut-être pas, peut-être jamais, je sais pas. Enfin, tu viens me dire d'ici 10 ans, enfin, peut-être pas 10 ans, mais d'ici 20-30 ans, tu vas voir, il va y avoir... Farming, déjà ça va être un jeu mais ultra beau, hein, c'est bon, ça va pas être au niveau des gros jeux genre Watch Dogs, GTA, Red Dead Redemption 2, enfin j'arrive plus à parler, qui est magnifique,
et plein d'autres jeux qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus beaux aussi, hein, et qui sont plus connus. Mais Farming déjà ça va être sublime. Et mais tu vas voir, on va avoir une cabine pour chaque acteur, tu vois, genre tu vas acheter une Rosenmash, par exemple cette moissonneuse là, et bah tu vois l'intérieur que t'as ici, et bah un jour tu vas l'avoir dans la vraie vie. Et pour changer de traiteur, il faut que tu changes de cabine dans la vraie vie. Tôt ou tard ça va être un truc comme ça, tu vois. Vraiment, j'y crois, tu vois. C'est vraiment, tu vas avoir la cabine dans la vraie vie. La cabine du tracteur que tu conduis dans un jeu, tu vas l'avoir dans la vraie vie. Ça, c'est un truc, bah, j'ai pas peur, hein, parce que déjà qu'il y a les casques de réalité virtuelle, etc. Donc t'as l'impression d'être dans le jeu, mais là, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, ça j'ai pas peur pour ça d'ici, ouais, peut-être pas 10 ans quand même, mais d'ici 30, 40 ans, voire plus. Mais ça va exister, c'est un truc, je sens que ça va exister, enfin bref. Qu'on a déjà le volant et un panel. Un paddle. Non mais un paddle c'est pas pour ça, un paddle tu t'en sers dans l'eau. Un panel, ouais, un panel. Tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, du coup pour conclure, grosso merdo, le Simotion je n'y crois pas du tout, enfin du moins pas pour le moment. Le DLC classe, je fais attention, tu vois, je fais attention à ce que je dis et à ce que je pense. Enfin bref. Du coup, maintenant, parlons un petit peu plus positivement, parce que là je parle beaucoup et très vite. Je sens que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas tourné une vidéo, parce que je voulais déjà tourner une vidéo ce matin, mais vu que bah, je pouvais pas, bon bah du coup j'ai pas le PC, enfin bref. Tu vois ce que je veux dire. Et en plus de ça, il fait pas si... Enfin, oui, il fait chaud, mais il fait pas si chaud que ça. C'est vraiment que j'ai pas allumé mon ventilateur pour éviter que ça me fasse du bruit au micro. Enfin, bref, vous voyez le délire. on va parler d'un truc un peu plus positif, tiens. De quoi pourrions-nous parler? Pourquoi je prends cette espèce d'accent dégueulasse? Pourquoi je prends cet accent dégueulasse? Enfin, bref. Allez, vas-y, on va faire le petit demi-tour. Tu vois, genre, j'ai fait la coupure, j'ai débranché et rebranché le volant, et puis là, ça fonctionne à merveille. Je comprends pas. C'est bizarre quand même. Faut que je regarde. Vraiment, si vous avez la solution, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce serait super sympa de votre part. Mais bon, on va parler d'un truc qui me tient beaucoup à cœur. Hein, on va pas se le cacher. C'est le bah, comment ma chaîne elle augmente en ce moment. C'est un truc de ouf. Voir dès que je sors une vidéo sur farming, bah là les 2-3 derniers jours, je sors une vidéo sur farming, je gagne 3 ou 4 abonnés par vidéo. Par vidéo, c'est même pas genre tous les 2-3 jours. Non, c'est vraiment par vidéo. Là j'ai fait une vidéo sur la TS2, j'ai gagné un abonné. Bon, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais genre, je fais une vidéo sur farming, je gagne 3 ou 4 abonnés, c'est un truc de ouf. Donc bienvenue au nouveau, on est 364 à l'heure à laquelle je tourne la vidéo. Tu vas voir, quand la vidéo va sortir, on va être 365, enfin bref, tu vas le délire. Bienvenue au nouveau, donc j'espère que mes vidéos vous plaisent. En théorie, oui, parce que sinon vous ne serez pas abonné. Et un petit truc que je trouve marrant également, c'est que par moment, je reçois des commentaires. Mais sur des vidéos qui sont sorties genre en décembre, novembre-décembre, tu vois ce que je veux dire. Genre c'est vraiment sur tout début de FS19. Parce que là récemment j'ai eu un ou deux commentaires. Je crois que j'ai eu deux commentaires sur des vidéos genre ultra vieilles. Genre des épisodes le premier épisode et le troisième épisode sur la Felsbrune que je faisais en multi genre en décembre, début décembre. Tu vois le délire, hein. Tu te demandes juste what the fuck. Ce championnat il m'a posé une question, non seulement j'ai pas compris la question. Ça peut être pas très bien français, du coup au lieu de dire excuse-moi j'ai pas compris, je me suis dit fais comme si tu avais pas vu le commentaire, donc désolé si tu passes par cette vidéo, mais c'est vrai, il faut connaître, hein. Et en plus de ça il me posait une question, j'avais pas du tout la réponse, il m'avait posé une question sur un truc dans la vidéo alors que la vidéo elle est sortie il y a plus de 5 mois, même plus de 6 mois presque 7 mois comme c'est là, tu te demandes juste pourquoi en fait. Pourquoi poser des questions alors que tu sais que le gars à qui tu poses la question il n'a pas la réponse, tu vois. C'est comme si j'allais me demander à un abonné genre un abonné qui a 8 ans ou 9 ans, je vais lui dire combien de litres de sang y a-t-il dans le corps humain. Alors moi j'en sais rien du tout, tu vois. Après, à moins que ce soit un intello à mort et qu'il ait étudié ce genre de sujet, non tu sais pas quoi. Genre un mot, je vais pas poser la question. Non, bon, prenons un exemple un petit peu meilleur. J'ai pas posé la question genre pourquoi exister, genre une question philosophique, à un prof de mathématiques, tu vois, à moins qu'il soit fan de philo et qu'il ait fait des études de philo, normalement il ne sait pas vraiment. Tu vois, il donnerait jamais la même réponse qu'un prof de philo. Enfin bref. Ça mine de rien, on va avoir sorti deux trémies là dans cette vidéo, ça va être plutôt pas mal, hein. De sortir deux trémies. Faut savoir que du coup oui j'ai déjà vidé une benne, bah, comme vous avez vu parce qu'on l'a ramené en début de vidéo, enfin bref, c'était un petit peu une remarque à la con. Voilà, pour me faire pardonner j'ai klaxonné. Du coup je vais pas faire trois trémies en une vidéo, je vais pas remplir une benne entièrement. Ce serait un peu beaucoup, hein, je tiens à le préciser. Attends, on va vraiment avoir une trémie pleine.
La vieuse de la buse. On va rouler en direction de la benne. Après, on va vider directement depuis la naissonneuse. Hop là. Voilà. Nickel. Voilà. Nickel. Alors, on va sortir du trimming. Ouais, on va au moins finir le champ parce que là, on est à 20 minutes de vidéo. C'est déjà pas mal. Et puis, on va au moins finir le champ, puis on va entamer le champ d'à côté. Voilà, on va entamer le champ d'à côté. Parce que là, récapitulons vite fait. Il me reste encore quoi en tournesol? Putain, ce sera encore plus intéressant si tu faisais ça. Ok, donc là, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 champs. Ok, il me reste encore 7 champs de tournesol et 4 en avoine. Ok, d'accord. Et si je mets l'herbe? Est-ce que l'herbe est prêt à récolter ou pas? Oui, mais je vais encore attendre qu'il y ait un stade de plus. On va dire qu'il soit au prochain stade de croissance. Et donc pas de croissant, genre le truc ultra ultra bon là, mais genre ultra gras. Tu vois ce que je veux dire? Lol, il se rigole STP. Enfin bref, c'est une blague de merde. Enfin bref, on va faire comme si de rien n'était. Mais, ah oui, c'est vrai, je vais vous montrer ça après. Ça vite fait, voilà. Pas que le double bouton de sol. Je vais finir le champ, puis je vais vous montrer ce qu'il veut dire lui pour les poules. Il n'y a rien chez les poules, hein. Je peux vous assurer, j'ai enlevé tous les cartons qu'il y avait, genre sur l'espèce de carré, rectangle, t'appelles ça comme tu veux, avec les bandes là où les œufs sont censés venir, et il n'y a rien dessus, hein. Les œufs sont carrément plus loin, et à chaque fois il me dit qu'il n'y en a pas, alors qu'il n'y a plus de place, alors qu'il n'y en a pas dessus. Il n'y a rien qui dérange, mais il n'y a quand même pas de place. Tu m'expliques. Donc si vous avez une solution à ça aussi, enfin si vous savez pourquoi, j'imagine que c'est un bug de farming, hein. Voilà. Ça doit être un bug de farming, génial. Enfin bref, du coup, on va torcher ce champ-là en vidéo quand même, d'audio. Enfin, tu vas me dire, moi je suis loin d'avoir terminé la récolte, mais bon. Pas de commentaire. Allez. On dit en haut de ma poule. Voilà. Leur faire rien. Alors ce que j'aime bien avec ce volant farming, c'est que oui, il n'y a pas le retour de force, certes, mais il y a le retour à zéro, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est d'ailleurs que le volant, si tu tournes à fond, il va toujours chercher à revenir au milieu. Et vu qu'il arrive avec une vitesse incroyable, il tourne aussi dans l'autre sens. Et c'est ce que je fais quand je le lâche, hop, et je retourne dans l'autre sens, tu vois. Et je vais vous montrer ce que ça fait en vue intérieure après. Et pour ceux qui comprennent pas ce que je veux dire. Parce que du coup, il n'y a pas le retour de force, ça veut dire que genre là, tu vois, j'ai pas besoin de forcer. Et on va désactiver. Donc là je vais tourner à fond comme vous voyez. Hop là je tourne à fond et là tu vois il va toujours chercher à retourner dans l'autre sens avant de revenir au milieu. Alors là du coup on va éteindre le moteur vite fait et je vais vous montrer ce que je veux dire chez les poupoules. Hop là on va descendre. Voilà, donc là qu'est-ce qu'il y a chez les poules ici? Normalement les œufs, les œufs ils se mettent ici. Ils se mettent ici, ça veut rien dire. Il n'y a rien, vraiment il n'y a rien. Toutes les boîtes sont ici que j'ai. Et ça dérange quand même. Il faudrait chercher à m'expliquer. T'as la réponse toi là au lieu de regarder par terre? Oh, je te cause. D'accord, on peut même pas rentrer, nickel. Alors du coup, la moissonneuse, elle est ici. On va repartir faire de la moisson de tournesol. Puis là on va repartir encore 5-6 minutes et puis on va s'arrêter là-dessus. Comme ça va faire une bonne petite vidéo d'une demi-heure à peu près. Putain, tourne dans l'autre sens. Et enlève le bar de coupe. Ici, nickel. Bon, on va faire un ou deux tours de champ avant de se quitter, voilà, comme ça va faire une bonne petite vidéo, on va pas se le cacher. J'aurais enfin parlé du sujet dont je voulais vous parler depuis pas mal de temps, on va pas se le cacher, parce que ça fait quand même un petit bout de temps qu'elle est sortie, la vidéo, là, de chez Class. Enfin, bref. Au moins, j'en aurais parlé, comme ça, voilà, je donnais mon avis, je sais que ça intéresse personne, je sais très bien que ce que je suis en train de dire, ça, personne ne l'entend. Enfin, peut-être que d'ici... Ouais, non, peut-être, je sais pas. S'il y a quelqu'un qui a suivi jusqu'ici, bah courage à toi, hein, très clairement. Force à toi, parce que m'écouter pendant une demi-heure, c'est chaud quand même. Même 25 minutes, c'est déjà long et chiant. Enfin bref, vous voyez le délire. Et, du coup, là, ouais, on va avoir fini le champ d'ici pas longtemps. Enfin, fini le champ, n'importe quoi. On va avoir fait le tour assez rapidement. Et du coup, j'espère que ça vous dérange pas trop que je fasse que de la vue intérieure. Bon, écoutez, on va faire un petit peu de vue. Mais non, mais je suis con, hein. Je dis qu'on a que fait de la vue intérieure, mais depuis tout à l'heure, je suis en vue extérieure, mais je... Oh là là. Je suis ailleurs, je suis désolé, je suis ailleurs. Alors. Hop, allez, vas-y. Nickel. Voilà.
Oula, là par contre tu vas éviter de shooter l'arbre, ce serait encore plus intelligent. Bah nickel, c'est passé Tiens, je suis passé juste à côté, mais je suis passé tranquille sans avoir tapé l'arbre. Voilà. Nickel. Voilà, voilà. Yay, fais gaffe à où tu roules. C'est bon, ça passe quand même. Bon, on va encore faire une fois le tour, et puis, ouais, puis on va s'arrêter là-dessus, comme d'avoir fait deux fois le tour de ce champ-là. Puis on va s'arrêter là-dessus. Ça fera déjà une bonne petite vidéo. Alors là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Voilà, on va faire ça, comme ça. Nickel. Voilà, nickel, parfait. Parfait, parfait. Alors... Putain, j'espère que... Ouais, j'allais dire, j'espère qu'on va sortir une trémie avec en deux tours, mais ça va l'air un petit peu chaud. Hein. Ça va l'air un petit peu chaud de faire cette trémie en deux tours de champ, à moins que le champ il soit gigantesque. Ou alors côté l'air trag, genre le mode là qui permet d'avoir un rendement de malade. Ah, bah le retour des bugs. Oh là là. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Ça m'a rien fait pendant 20-25 minutes, et puis là d'un coup, c'est revenu. Alors ça me l'a fait au début de la vidéo, du coup j'avais fait un cut, etc. Merde. J'avais fait un cut, mais non. D'ailleurs vraiment, merde. Putain, j'avais loupé autant. D'ailleurs, ce que je trouve vraiment bizarre, c'est que sur aucun autre jeu, ça me fait bugger le jeu. C'est juste farming, je comprends pas. Je vais chercher à comprendre pourquoi ça me fait ça, enfin bref. Pourtant, sinon, il fonctionne à merveille, hein. Tu vois, genre, tu tournes, il tourne. Le panel, il marche à merveille, c'est vraiment le volant. Enfin, j'ai cru que j'avais encore fait un oubli, j'ai horreur des oublis pour ceux qui ne le savent pas. Bon, maintenant, tout le monde le sait. Oh, tout le monde qui est resté jusqu'ici dans la vidéo. Je plaît. Voilà. Un petit peu de vue extérieur aussi. Voilà, voilà. Ouais, ça c'est le genre de moment dans la vidéo. Enfin, c'est bizarre. Parce qu'il y a des moments dans. Genre quand je tourne des vidéos, parce que du coup je vais entamer un petit sujet avant de s'arrêter. Enfin, avant d'arrêter la vidéo, quoi. Mais... Parce qu'en fait, il y a des moments dans les vidéos, genre j'ai pas envie d'arrêter parce que par exemple je trouve un sujet intéressant. Enfin, je parle d'un sujet que je trouve ultra intéressant ou quoi que ce soit. Et il y a des moments comme maintenant où t'arrives en fin de vidéo et t'as plus rien à dire. T'as vraiment plus rien à dire, genre nada, genre zéro quoi. Vraiment tu sais pas de quoi tu peux parler. Et du coup tu te dis putain, il reste combien de temps, allez, en 10 minutes, tu peux le faire. T'as dit une demi-heure, tu vas faire une demi-heure. Tu vois ce que je veux dire. Mais là tu vois, enfin là je sais pas genre en mode putain, il reste combien de temps. Non, là je suis là en mode putain, mais de quoi je pourrais bien parler. Enfin genre putain, faut enlever le putain quoi, mais parce que j'aime pas trop les mots grossiers, difficile alors qu'il dit que ça. Oui, je viens de parler de moi-même à la troisième personne. Tout va bien. Enfin bref. Du coup, ouais, là, je suis en mode, mais qu'est-ce que je pourrais bien raconter? Et du coup, bah là, je parle du fait que je ne sais pas quoi parler. C'est bizarre. Ne cherchez pas à me comprendre, s'il vous plaît. Je suis trop difficile à comprendre. Et... Voilà. Alors là, braque, nickel. Ouais, on a bientôt. Ouais, j'hésite à faire un troisième tour. Je crois que je vais pas en faire un troisième. Je crois que de deux, ça devrait suffire comme fourrière. Ouais, ça devrait suffire pour les fourrières de deux tours. Ça devrait suffire. Ça devrait amplement suffire. Tout à l'heure, je disais que ça aurait été trop bien, genre d'avoir. Enfin, quand je dis tout à l'heure, c'était genre il y a deux minutes, même pas. Je disais que ce serait trop bien, genre de sortir une trémie entière en faisant juste un tour de, enfin, deux tours de champ. Mais limite on en est pas loin parce que du coup là on est déjà à 70%. Là on est déjà à 70% en faisant juste deux tours. Enfin il y a eu un petit bout là mais ça compte pas on va dire. Enfin si ça compte mais pas beaucoup. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Alors là du coup, on va suite ouais. Puis après on va faire des allers-retours par ici, ouais. Bah, comme d'habitude en fait. Hein. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Même si du coup là je suis tout seul, du coup il n'y a pas d'équipe. Enfin bref, ferme ta gueule, c'est pour faire des blagues de merde. Voilà. Voilà, voilà. Pas très droit tout ça. Ouais, bon, je gérerai ça hors vidéo, hein, c'est pas bien grave. 80% barbe bio. Ce sera vraiment pas loin. Vraiment, vraiment pas très loin. Parce que là du coup j'en ai récolté combien de champs? 4. 2, 3, 4. Il m'en reste 6 après celle-là, 7 avec celle-là. Je vais peut-être remplir le stock, hein. Pas sûr.
Pas sûr, parce qu'il y a quand même deux champs qui sont petits, après il y a quand même deux grands champs, deux moyens, un troisième énorme champ ici. Et il y a peut-être moyen que. Ouais, il y a peut-être moyen que je remplisse le stock, à vrai dire, parce que là on est à combien? On est à 80 tonnes de mémoire. On doit être à 80 tonnes de mémoire. Merde, 83 tonnes. Bon, je vais peut-être remplir les stocks au final. Qui sait? Je vais peut-être bien remplir les stocks. Là, c'est de la merde sur le panel. Mais, enfin bref, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là-dessus. Après, on va encore avancer un petit peu, histoire de. Ouais, j'espère vraiment qu'on va les remplir. Ouais, j'espère qu'on va les remplir. Enfin bref, appeler, on va faire ça, ça. On va éteindre le moteur, on va descendre. Enfin bref, nous du coup, hop, on va s'arrêter là-dessus. Donc j'espère que cette petite vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!